Bonjour à tous et à toutes. Comment est-ce que vous allez en ce beau dimanche, euh, dimanche soir, 19h00. Euh, zero in, zero in. Euh, voilà, je suis connecté euh, donc avec euh, Mastrandberg sur euh, l'interface euh, Apollo Twin. Est-ce que vous l'apercevez? Ouais, vous l'apercevez ici à l'image, elle est juste ici. Donc euh, sur une entrée via Sojak, il y a euh, donc euh, bah, ma strandberg qui est, qui est connectée. Et sur l'autre entrée, sur la voie numéro 2, il y a le Shure euh, SM7B qui est, qui est connecté. Du coup, normalement, si tout se passe bien, vous devriez avoir du son et de l'image. Est-ce que c'est bien le cas pour vous Dites-moi. Donc là si je repasse en mode webcam, enfin avec l'application, donc là vous voyez l'image du, du plugin Marshall, donc c'est le Marshall Plexi classique. Alors curieusement, voilà, euh, il y a beaucoup d'images qui ne servent à rien en fait. Hein. D'ailleurs peut-être je, je devrais le mettre encore en plus gros, voilà, pour vous l'afficher en plus gros le, le panneau de, de contrôle, parce que vous savez que c'est un Marshall, donc il n'y a pas trop de problèmes. Euh, et euh, malheureusement les, les boutons sont relativement peu lisibles donc euh, comme ils ont fait une copie franchement euh, graphique d'un vieux JMP là donc un, un plexi euh, ils ont repris la très mauvaise visibilité de, des, des boutons ce qui n'est pas forcément ce qui est plus heureux donc là je suis connecté sur l'entrée 1 qui est bridgée avec l'entrée 2 et euh, vous voyez que le volume numéro 1, il est à 1. Et le volume numéro 2, il est à peu près à la moitié. Il est à, il est à 5. D'accord Donc comme ça, ce qui fait que là, si je suis sur le micro-manche, euh, euh, avec le, le volume un petit peu baissé, on a un son assez clean. Si je mets le volume au taquet crunch commence à cruncher un petit peu et là si je passe sur le micro euh, chevalet euh, humbucker là il commence à tordre un petit peu alors pourquoi il me dit impossible d'accéder au chat c'est moche hein donc là je peux pas accéder à mon chat euh, qu'est ce qu'il faudrait que je fasse pour accéder au chat donc là si vous êtes en train de poster des commentaires, je ne peux pas les voir. C'est ballot ça. Surtout euh, pour une formule de style euh, QS, ça va être un petit peu gênant. Donc quand je viens euh, Voilà, à l'intérieur de Safari. Streaming en direct, impossible, hein VR essayer ultérieurement, bah, c'est moche. Alors je tape bonjour dans le chat room. Voilà. Participants, ouvrir le chat, ouvrir le chat, participants. Donc là, il n'y a pas de participants. C'est comme si euh, le, le chat n'était pas ouvert. C'est moche, hein, ce qui m'arrive. Et si je regarde depuis mon téléphone, ça dit quoi Tu on es en direct. Voilà, 7 spectateurs. Ok. Ok, donc, alors, ce qui, est, ce qui est un peu dommage dans ce qui m'arrive là, c'est que euh, dans Safari avec lequel j'aimais via OBS, la chatroom n'est pas connectée. Vous voyez mes commentaires Ok, parfait. Alors, je vais couper le son de mon téléphone. Bon. Euh, bah, voilà, j'ai la, la chat room sur mon téléphone, donc il euh, n'y a pas de, y a pas de, de problème hein, comme ça. Et donc là, vous voyez que sur l'image, j'ai essayé de mettre en, en plus gros possible hein, le, le... Ouais, je peux mettre encore un peu plus gros. Je vais essayer de mettre encore un peu plus gros le l'interface. Alors si j'essaie de le mettre encore un peu plus grand. voilà. Ouais. Bon, là, ça devient à peine presque, presque lisible. Donc là, vous voyez en tout cas que euh, le plugin numéro, le, le volume 1 du canal 1, il y a 1. Alors, je peux me connecter uniquement sur le 1. Je, on va faire ça, tiens. Voilà, hop, je vous fais écouter que le son du canal 1. Voilà, vous entendez euh, Je n'ai pas touché les boutons, j'ai juste mis le, le canal 1. Là, euh, on a un son qui crunche déjà pas mal. Là, je suis sur l'Humbucker Bridge à fond. Si j'appuie ici, ça le bridge avec le volume, le volume 2, donc le deuxième canal, entre guillemets, du Plexi, qui est plus sombre. Je rappuie ici, ça me donne une autre combinaison. Et de retour sur le volume 1 tout seul. Salut Greg, comment ça va Alors, euh, la config dans laquelle j'étais, je pense que c'était comme ça. Et comme ça, je crois. Vous voyez donc, et c'est pour ça que à l'époque glorieuse de Hendrix on, euh, et Led Zepp et compagnie, euh, les, les Marshall étaient bridgés parce que ça permettait d'avoir le, les deux canaux. Voilà, c'était dans cette configuration où là j'ai un son presque clean. Moi j'ai jamais joué hein, sur un plexi, sur un vrai plexi, hein, donc je ne peux pas comparer. Donc là on a un son qui est quasiment clean. Hein. Mais j'ai dû quand même baisser le volume euh, sur, la, euh, sur, la, sur la guitare. Hein. D'accord Donc là le volume de la guitare il est un petit peu euh, baissé. Là si je le mets au taquet, mais je suis sur le symbobinage bobinage du micro euh, chevalet, là on commence tout juste un peu à cruncher. passage sur l'humbucker bridge. Mais si je joue très doucement, j'ai un son à peu près clean. Et si je monte le volume 1, on va le mettre au milieu, là on commence à récupérer pas mal de gains. Et si je monte le volume 2, vous allez entendre son, son influence. Là, ça rajoute pas mal de, de gras en fait. Et si je reviens donc sur l'entrée le, 1 toute seule, ça donne ça. Et si je bridge comme ça. Voilà, on a un son avec un peu plus de corps. Et évidemment, au taquet, ça nous donne quelque chose comme ça. que je suis même beaucoup trop saturé pour du pour du Led Zepp. Hein. Et évidemment le son que vous attendez tous avec les deux volumes au taquet. encore la dynamique euh, des plugins de l'Apollo Twin parce que là j'ai beaucoup baissé le volume et là j'ai un son quasiment clean <music> et pas une grosse grosse différence de volume hein, surtout le gain qui change <music> Je ne vais pas vous refaire tous mes riffs de, de Stevie Vaughan vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, si je repasse sur la grande caméra, dites-moi un petit peu si vous avez des questions, etc. Si vous voulez que je vous parle de choses en particulier. Voilà, je vois qu'il y a 11 personnes euh, qui sont là. Hein. L'idée, c'est de faire un QA, évidemment, euh, et que je, vous, je, réponds, je puisse répondre à vos questions. Donc, si je reviens sur Safari, je n'ai toujours pas. La chat room en direct, ça, je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre parce que j'ai la connexion. Alors, si je mets ouvrir le chat, ah oui, ouvrir le chat dans une nouvelle fenêtre. J'essaye ça pour voir. Ah bah là, je les ai. Ok. Va comprendre, Charles. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Donc là, je vois les la chatroom ici. Donc là, je peux dire bonjour à Jean, à Fred, à Cyril. Euh, et à Greg, alias Gouy, oui, et à Romain aussi. Alors Romain, il a bien travaillé euh, sa guitare ce week-end. Est-ce que je pourrais vous montrer d'autres aussi hmm Voilà, je peux vous montrer ça. Chouette album ça, vraiment chouette album. Euh, ça, j'aurai l'occasion de, de le faire en interview euh, très bientôt, le, la semaine prochaine, c'est ça, le 1er mai. Glenn Arzell, voilà, qui a fait un chouette EP 6 titres 6 voilà. chansons et c'est vraiment euh, c'est très bluegrass, folk etc mais euh, c'est bien fait il y a de la pedal steel, il joue très bien il joue de la, de la guitare, du banjo il joue de la mandoline aussi, là je pense pas qu'il y ait de mandoline sur cet album mais euh, c'est vraiment très bien euh Soft en fait, que là que j'ai fait, dont j'ai fait la rapide démonstration, c'est le plugin de Marshall Plexi de chez Universal Audio Olivier. Donc là, il est réglé comme une bretasse, donc c'est à dire le volume 1 et volume 2 au taquet, un bucker bridge. Je vous fais écouter juste le canal 1 tout seul. Ah oui, il ne faut pas que je clique ici, il faut que je clique ici. Voilà. Le canal 1 tout seul au taquet. Il peut sonner assez euh, gringalet. Là, je suis au milieu. Et si je le bridge. Et là, le volume 2, il est au taquet, donc on rajoute beaucoup de corps en fait. De retour sur un tout seul. Voilà, c'était ça le, le soft. Enfin, c'est le soft, oui, c'est du soft. Mais c'est du soft qui tourne, donc un plugin qui tourne sur l'extension... Euh, sur l'interface Apollo Twin. Et très important hein, de, de se souvenir en fait que l'interface euh, Apollo Twin, c'est une interface, mais c'est deux choses en même temps. C'est à la fois une interface, mais aussi une plateforme qui permet de... Enfin, qui fait du, du DSP et euh, pour avoir euh, comme ça faire tourner des, des émulations. Hein. Donc parfois on se dit oh, j'ai les Apollo Twin, c'est super cher, etc. Ah oui, c'est cher, c'est cher pour deux raisons. D'abord parce que c'est du haut de gamme, et ensuite parce qu'il y a les deux fonctionnalités, donc la fonctionnalité interface audio et la fonctionnalité euh, plateforme DSP, où le logiciel, euh, là, le, le logiciel que vous voyez à, à l'écran. Voilà, si je vous le remontre ici, euh, c'est uniquement euh, l'interface de, de contrôle, d'accord euh, L'ordinateur, lui, il fait aucun boulot, euh, c'est toute l'interface le, le, audio qui fait, le, qui fait la job. Euh, attends, j'ai vu une question de Cyril par rapport au réglage des médiums. Alors, c'est ça le problème, la joie avec ce plugin, c'est que le, ah bah le réglage médium, il était au taquet. Alors, je peux vous faire écouter. Parce qu'ils ont bon, voilà, le, 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 plugin, le, le Marshall sur lequel ils ont modélisé leur truc, il bah, n'y avait plus le petit marqueur, la petite capsule dessus. Donc du coup, euh, du coup, ouais, si je vous mets là, vous n'allez pas le voir. Euh, le bouton middle, voilà, il n'y a pas l'indicateur. Donc là, il est au taquet. On va le baisser. C'est pas évident de trouver le, le réglage en fait. Hein. Voilà, là il est à peu près au milieu. Donc on sent qu'il devient bien boueux là. Et là il est à zéro. Et à nouveau au taquet. Vous faire juste sur le canal 1. Là il est à 0. Ça peut fonctionner hein. et le voilà là je le remets à fond et le réglage de base fait pas grand chose hein. là il est au taquet et je le mets à zéro ah, il a un petit effet mais enfin bon c'est pas c'est pas énorme énorme hein. voilà par contre le gros effet c'est quand on bridge donc là je bridge. Voilà. Donc là, là, on a un très gros effet de la du quand on ajoute le, le deuxième canal. Hop, je reviens ici et voilà. Euh, j'ai vu une question passer de Jean. Ah oui, par rapport au le gate. Alors, le gate sur la voix, alors je peux vous le montrer. Le gate que alors je, je, je me suis posé la question de comment mettre un gate sur la voix. Parce que là, par exemple, euh, je, je suis en train de faire le live depuis mon MacBook Air que j'ai acheté fin 2019. Donc, une machine assez récente et euh, il souffle quand même pas mal. Donc, euh, du coup, il fait quand même du souffle. Donc, si jamais je faisais juste jouer de la guitare. Euh, ça serait assez chiant d'entendre le ch de, de, du, du ventilo. Quoi. Et donc là, du coup, j'ai mis un get. Et en fait, il n'y a pas de noise gate. Euh, enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé. Il n'y a pas de noise gate tout seul hein, sur, sur l'Apollo Twin. Et pour ça, il faut. Euh, j'ai utilisé la console API. Enfin, un module de console euh, API. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Je devrais être capable. Est-ce que je suis capable de faire ça Ah oui, il faut déjà que je le sorte. Hop, voilà, tac, je reviens ici et je choisis euh, item, c'est celui-là, non c'est pas ça. UAD meter, non, c'est pas ça non plus. Ah, c'est le c'est l'insert, c'est celui-là. Voilà, ok. Donc euh, là, alors je vais essayer de vous l'afficher avec la bonne taille, puisqu'on fait ça en direct live. Voilà, vous avez mes deux emails, vous en foutez un peu. Donc là, c'est le plugin euh, euh, le plugin du, du noise gate. Et vous voyez, vous allez voir que si je m'arrête de parler, la partie, les, les, les leds ici qui sont jaunes vont monter. Ça veut dire que le gate va se, va, se, va se fermer en fait. Voilà, vous voyez le, le truc. Et là, évidemment, quand je me remets à parler, la gate euh, s'ouvre complètement. Et si, euh, je te confirme, euh, Fred, qu'ils euh, ont trouvé que ça faisait plus chic euh, d'avoir le la tronche Marshall euh, comme ça, et qui donne un truc qui est complètement euh, illisible, en fait. Hein. Alors, il y a, y a une petite marque hein, sur le... Euh, sur le truc ce qui fait qu'on voit vaguement quand, quand on tourne. Hein, je, si je retourne dans le plugin et que je le tourne, je sais pas, je suppose que vous allez le voir. Euh, voilà, on, on voit qu'on tourne et surtout il bah, faut le faire à l'oreille, quoi. Mais euh, du coup, ça donne quelque chose qui est complètement... Enfin, qui est un, un, poil, un, poil, à, un, un poil aberrant. Quoi. Et, euh, et en fait, oui, je continue sur la question par rapport au, au noise gate. J'ai mis en place le... J'ai utilisé ce noise gate parce que euh, quand on joue de la guitare, et euh, c'est un truc que tous les gens qui font de la prise de son euh, sur les tests de matos euh, savent très bien. Euh, alors, bon, c'est un peu moins pire avec ce micro parce qu'il a une très bonne réjection de tous les sons qui sont en dehors de, de, de lui, quand on n'est pas juste dessus euh, comme ça. Euh, mais j'ai horreur de quand on entend le. Le zing zing acoustique de la, de la guitare. Et donc, là, avec un noise gate réglé assez haut, non seulement euh, ça bloque le, le bruit de ventilo quand je, quand je m'arrête de parler, ce qui arrive de temps en temps, mais surtout si je joue là, par exemple, je vais arrêter de parler et faire des, des coups de médiator, normalement, vous ne devriez pas entendre le, le bruit acoustique de la guitare électrique. Si je, si je suis clair. Voilà, là, vous entendez rien du tout parce que le gate ne, ne s'ouvre pas. Faut vraiment que j'avoine comme un salopard là hein, pour entendre le petit clac là. Parce qu'il est réglé de manière assez, assez forte quoi. Et oui il y a des émulations euh, API euh, chez, chez UAD. Mais là je m'en sers de manière euh, tout à fait... enfin euh, voilà c'est assez euh, rustique. J'ai mis encore un petit peu de gain, euh, voilà. Euh, j'ai pas touché l'égalisation et j'ai mis le, le gate parce que c'est le seul endroit dans les plugins où j'en ai trouvé un je ne sais pas s'il y en a ailleurs, hein. s'il y a des experts du ad euh, dans la foule je serais assez preneur et que enfin curieusement ou pas euh, mais il n'y a pas un simple module euh, noise gate qui en soi ne devra pas être un module très compliqué à, à développer quoi. Qu'est-ce que tu trouves d'excitant, Greg Le fait qu'ils aient enlevé, le, enfin, ils aient répliqué au... le... le fait que ça ne soit pas très visible sur le, le Marshall Enfin, ça donne un, ça donne un style. Hein. C'est vrai que c'est tout à fait dans le, dans le... Dans le... Dans le style Marshall. D'ailleurs, je peux vous montrer aussi. On a l'autre côté. Euh... Voilà, si je fais ça, qu'est-ce que vous voyez à l'écran ben Là, vous ne voyez rien parce que je ne suis pas dans la bonne fenêtre. Voilà. Euh, mais euh, y a, euh, ils ont répliqué, vous voyez, les bouts euh, de scotch marqués euh, 57, donc genre SM57, et euh, le, le bois, le, le faux machin marqué Channel Strip, enfin bref, euh, on est dans le skewmorphisme euh, à fond. Quoi. Mais il faut admettre que c'est assez joliment fait. Et Alors je sais pas combien coûte le, le, le plugin Marshall Plexi, en général, euh, ça dépend les, les, les plugins hein, chez UAD, mais. Euh, euh, c'est dans les 100 200 euros quelque chose comme ça c'est quand même pas hein, c'est quand même pas donné quoi voilà voilà greg n'a pas trouvé non plus donc euh, voilà c'est pas moi qui est complètement euh, complètement donné. Est-ce que vous avez des questions sinon euh, sur, euh, sur la chaîne guitare, sur les abonnements, etc. Des, des questions Pour ceux qui l'ignorent encore, euh, le, la chaîne guitare, l'objectif de la chaîne guitare, hein, c'est d'être un peu le, le Netflix des, des guitaristes. Je vois d'ailleurs que dans la chatroom, vous êtes plusieurs à être nombreux à être des abonnés, euh, bah, que ce soit Jean, Olivier, Greg, euh, etc. Fred, bien sûr. Euh, Fred, dont j'ai publié d'ailleurs euh, ce matin. Euh, l'interview le, le, qu'on avait réalisé au showroom euh, quand était venu donc le, le, le témoignage. Et effectivement, Vincent, il y a très souvent des, des promotions sur les, sur les plugins. Donc, euh, des fois, euh, euh, enfin, souvent, ils sont plein pot. Et puis, quand on est inscrit à la newsletter, on reçoit les bons plans. Et puis, euh, voilà, ça... Ça, ça fait le truc. Moi, si j'avais un plugin d'ampli à conseiller, ça serait le Sur PT100, dont j'ai déjà eu l'occasion de faire plusieurs fois des tests, euh, qui est plus complet évidemment que le Plexi. Le Plexi, vous l'avez entendu, euh, même en réglant le, le gain à zéro, euh, fin, on n'a pas un son, c'est les son Plexi très, très typé. Alors que le Sur PT100, c'est trois canaux et on peut avoir un très joli son clean, un son qui grogne un petit peu quand on le pousse un peu. Puis les canaux 2 et 3 là, qui permettent d'avoir du gros son. Et il inclut un, un délai interne aussi et un noise gate interne. Un noise gate sur l'ampli, évidemment, hein, mais qui n'est pas utilisable pour la, pour la voix. Est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder des interviews euh, confinement Quel est l'interview confinement que vous avez préféré Alors est-ce que j'ai le plugin Angle sur mon UAD Alors oui je les ai tous puisque euh, Universal Audio m'a prêté cette interface. Hein. Elle n'est pas à moi comme la, la Xbox que j'ai au, au showroom. Euh, et donc j'ai les, tous les plugins qui sont activés. Je peux vous les montrer d'ailleurs. Alors il faudrait que je fasse comment il Faut que je fasse comme ça, comme ça. Je vais essayer de vous montrer la fenêtre en, en question. Alors, attaque, mixeur, UAD Control Panel, UAD émetteur. Et ça le problème, c'est que c'est jamais très très... Ah bah ben si voilà oh, Je suis tombé sur la bonne du premier coup. Excellent. Donc euh, voilà, ça c'est la fenêtre de contrôle du des. Enfin, le... oui, pas non pas de contrôle, mais qui dit un peu ce qu'il y a, ce qui tourne sur, sur mon Apollo Twin. Donc, celles qui sont marquées en blanc, euh, c'est celles qui sont autorisées pour, euh, pour tout le monde. D'accord Et là, euh, toutes celles qui sont en vert, c'est marqué démo 329 jours euh, qui restent. Alors, pourquoi 329 jours Parce que euh, lors du âme, j'ai eu un rendez-vous avec mon, mon contact chez Universal Audio qui m'a remis euh, un an de, de validité sur les, sur les plugins. Donc, du coup, euh, je les ai tous. Voilà, y compris, voilà, Fender, il y a le Fender euh, Deluxe euh, 55, qui, qui est très bien, mais qui lui aussi très typé. Il y a plusieurs Marshall. Il euh, y a les Softube aussi, puis après, il y a toutes les consoles Nive et il y a les... La, 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 la... leur réplica de la... de la... de la rate aussi. Voilà, donc, il y en a plein, 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 des caisses et des caisses, y compris, et beaucoup des choses de... je sais même pas... Euh, je sais même pas à quoi ça sert. Quoi. Mike Kinelli, ouais, ça c'était une chouette interview. C'est toujours un super client. Moi j'adore ce musicien d'une profondeur incroyable qui était vraiment, euh, vraiment cool et hyper généreux de son temps. Et ce qui était marrant, c'est que deux heures plus tôt, j'avais fait donc une interview avec... Euh, euh, Joël Gombert, donc euh, dans Paris, euh, genre à quelques kilomètres à Vol d'Oiseau. Et puis euh, deux heures plus tard, je fais donc euh, Mike Kinelli euh, en Skype euh, depuis euh, San Diego. Et là, la connexion était impeccable. Alors qu'avec Joël, euh, on a eu des, des problèmes. Je pense que sa connexion internet ne devait pas être euh, géniale. Oui, y a tout, enfin, tous les modules sont là. Hein, donc, euh, évidemment, euh, je suis allé charger le, le module 1073, etc., pour voir. Honnêtement, moi, j'ai pas les oreilles de la NASA. Hein, donc, il euh, y a des trucs, euh, j'entends pas vraiment la, la différence. C'est avant tout des, du matos qui est fait pour les, les gens qui font beaucoup de, 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 de studios. Mais ce que je connais un petit peu, donc à savoir le, le, le son guitare, franchement, ça marche, ça marche super bien. Bah, c'est ça qui est sympa, c'est d'avoir des partenaires comme euh, Universal Audio voilà, qui me prêtent du, du matériel de, de super qualité, qui me font confiance depuis des années. Il euh, n'y a pas d'échange d'argent entre Universal Audio et moi, euh, C'est pas à faute d'avoir essayé d'ailleurs, très honnêtement. Euh, mais par contre, ils me mettent à disposition du, du, du matériel, donc en l'occurrence euh, l'Apollo Twin et puis le, la Auxbox là, que j'ai au, au showroom là, pour faire la, la prise de son d'ampli guitare. pas assez de délais. Alors, c'est vrai qu'il y a une époque, je pense qu'il y en avait un... Il y en avait, parce que il y a eu des fois où ils ont développé des, des délais ou des modules. Je sais qu'il n'y avait pas le Space Echo de, de Roland, je crois. Ou il y avait un délai célèbre comme ça et qui a été retiré parce qu'ils ont perdu la licence ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Toi, tu utilises quoi comme... Tu as quoi comme plugin d'ampli dessus, euh, Greg Puisque que nous avons le plaisir d'avoir Grégory François dans le... Dans le dans, dans la chatroom, qui est un grand guitariste, un super musicien qui a plein de matos, qui a plein de guitares. Donc, tu as vérifié, tu as le marchand, le genre. Et donc, il est marqué en blanc, en fait, c'est ça. Donc, il est, euh, il est inclus dans ton, dans ton package, en fait. Et donc, oui, tout à l'heure, j'étais en train de faire mon petit pitch, euh, mon petit sales pitch sur la chaîne guitare. Donc, oui, le, le Netflix des guitaristes, donc voilà, à partir de 6 euros par mois. Pour accéder à tout le contenu, ah, on va les regarder. Tiens, la page, euh, la page d'abonnement. Tiens, on va faire un petit break. Je sais pas si c'était le Space Echo, mais il me semble qu'il y avait un écho et qu'ils ont perdu le, ils ont perdu la, la licence. Voilà. Donc pour s'abonner à la chaîne guitare voilà. Je vais mettre ça un peu plus haut. Il y a trois abonnements en fait. Il y a le premier abonnement à 6 euros par mois qui permet d'accéder à l'ensemble du contenu de la chaîne guitare, soit environ 1500 vidéos, avec des interviews, des reportages, des replays de masterclass, etc. Euh, il y a la formule à 10 euros par mois qui est payable, soit mensuellement, soit en une fois, euh, donc 120 euros, et à ce moment-là, on a en plus le. Le, le coffret cadeau. Et puis enfin, il y a la formule VIP. Grosso modo, c'est pour les, les mécènes voilà qui ont envie de, de contribuer un petit peu plus au, au projet, sachant que la formule que je, je vends le plus est celle à, à 10 euros par mois. Et ça, euh, j'oublie parfois de, de le dire, enfin, j'oublie de, parfois de, de le rappeler. Euh, c'est payable carte de crédit ou PayPal, hein, quelle que soit l'option que, que vous choisissez. D'accord Donc, euh, que vous ayez un compte PayPal ou pas, euh, c'est faisable. Euh, je, je prends, je prends l'argent. Euh, euh, l'argent n'a pas d'odeur. Hein. D'accord Et on va revenir sur la Zoom. Et je vais remettre la chatroom. Non, tout ce qui est API, euh, etc. Ça, c'est effectivement, c'est des plugins euh, payants. Tous les trucs de marque, en gros. Hein, c'est les, les, plugins payants. C'est pas compliqué. Donc Marshall, euh, enfin Marshall, c'est payant, sauf le, le classique. Mais les, le 2203, le Jubilee, euh, tout ça, c'est ils sont payants, quoi. Et absolument, je remercie euh, Romain, qui est donc un, un mécène de, 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 de la chaîne Guitare, qui s'est réabonné euh, tout récemment là, et qui a pris l'option euh, Super luxe. Super VIP euh, machin. Donc un grand merci à lui. Et si on se recose un petit peu des interviews euh, confinement, euh, on va ouvrir la page. Voilà. Donc il y a euh, toutes les interviews euh, passées qui sont disponibles en ligne. Hein. Et ça, c'est du contenu qui est disponible euh, gratuitement. Hein. Normalement, tout ce que je produis sur la chaîne guitare est disponible uniquement pour les abonnés. Mais là, le but des interviews de confinement, bah, c'était de mettre un C, de mettre, puisqu'on est encore en plein dans le confinement, euh, de mettre un coup de, de projecteur sur cette euh, profession de, de la musique là, qui se prend une grosse claque pendant cette crise, comme beaucoup de monde, mais encore plus déjà musicien de ce C'est pas évident de, de vivre de, de son art. Alors encore plus euh, quand on est en crise, euh, en confinement, où il euh, n'y a plus de concerts, tous les festivals, les salons sont annulés, on ne peut plus donner de cours, de masterclass et compagnie. Donc tous les, les replays, donc ça, ça a commencé, j'ai commencé avec Virgile Pilon, c'était le fin mars, tout fin mars, le 25 mars, voilà. Et il y en a eu plein, Jacques Stodze, Marno Bascuniana, Mike Moreno, le grand jazzman... Euh, Sylvain Luc, peut-être le plus grand guitariste français, Romain Labaye, Grégory François, évidemment, qu'on a dans le chat-room, Martin Giovanni, l'excellent Martin Gianni de guitare improvisation, Jean Fontanille, Nicolas Blampin, Osnoy, fabuleux Il Le guitariste Osnoy, un peu jazz-blues qui est assez à New York, néo Fanatique, Bruce Forman, Yuri de grotte Stéphane Elena, enfin bref, plein, plein, Mike Lenny, comme on a parlé, Régis Savigny, et la semaine prochaine, donc on a un beau programme, puisqu'on a Brice Colombier, Lundi. Euh, le mardi, euh, Richard, Richard Daudet. Hum, mercredi, Sébastien Tibax, le très bon bassiste, Sébastien Tibax, que j'ai déjà eu l'occasion de faire en interview au showroom. Juan Carmona, le même jour. Donc euh, voilà, là, on va passer du côté euh, flamenco, c'est tout récent. Euh, le lendemain, Nina Attal, très bonne chanteuse et guitariste. Et on terminera la semaine, le 1er mai, avec euh, Glenn, Glenn Arzel. Et puis, ça continue après la semaine prochaine, la semaine d'après. Pascal Vigné, Roxane Arnal, Serge Lopez, etc. Et j'en ai encore quelques autres sous le coude. Donc là, vous allez sur la chaîne guitare.com/confinement et vous avez le, la totalité du, du programme. Oui, c'est ça. Toutes les, les dates, évidemment, tout ce qui est festival, tout ça, c'est mort. Grosso modo, toute la saison, euh, saison d'été est morte. Hein, euh, et tous les musiciens à qui je parle, via les interviews confinement ou hors, inter ou hors interview, disent bon, bah voilà, grosso modo, hein, la saison d'été, euh, c'est plié. On espère au mieux pouvoir rejouer euh, euh, cet automne à la rentrée. Mais euh, voilà, hein, j'écoutais un podcast euh, qui s'appelle Guitar Wank, où il y a euh, Scott Anderson, Bruce Foreman et puis Troy McCubbin. Et euh, Scott Anderson dit Bon, bah oui, on espère pouvoir rejouer peut-être à l'automne. Tous les musiciens, les, les musiciens très établis, comme ça, eux, leurs tournées ont été reportées, mais le manque à gagner des, des, des gens qui faisaient beaucoup de, de spectacles, etc., de tout ce qui est baloche, euh, soirée, mariage et compagnie qui va avoir lieu là, bah, tout ça, c'est des dates qui sont, qui sont perdues quoi, ou qui seront reportées, mais euh, peut-être au calendrier grec. Et, euh, et donc Scott Anderson, lui, il a peur que quand ça va reprendre, quand les clubs vont ouvrir, ils auront tellement euh, tiré la langue qu'ils vont dire, bah, écoutez, ouais, on peut vous faire jouer, mais voilà, il va falloir euh, gagner euh, moins cher. Déjà, qui ne pas grand-chose, euh, voilà. Alors, je n'ai pas de nouvelles par rapport à Isoudin. Euh, as peut-être vu Backstage que Gérard Sadoua, qui est d'ailleurs un abonné à la chaîne Guitare, que je remercie au passage, euh, il avait... Alors, je ne sais plus si c'était Backstage ou s'il m'avait passé l'information. Enfin, en tout cas, pour eux, ils sont prêts à communiquer sur Isoudin, prêts à appuyer sur le bouton Star pour lancer la, la communication. Évidemment, là, ils ne l'ont pas fait euh, maintenant, puisque là, euh, voilà. Officiellement c'est minimum jusqu'au 15 juillet, donc grosso modo toute la saison d'été. soudain, c'est fin octobre, début novembre, 30 octobre, 1er de novembre je crois. Euh, donc il faut, faut espérer qu'on qu soit déconfiné, qu'il n'y ait pas de, de soucis à ce moment-là, hein, ça c'est clair. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre sinon hmm Je pense que je vous l'avais déjà montré l'autre jour, mais ça pour moi ça a été vraiment un game changer. Hein. C'est le, le Zoom F6 de, de chez Monsieur Zoom. Voilà, c'est Zoom France qui m'a prêté ça. Et ça, c'est un enregistreur euh, numérique. Euh, c'est toujours très difficile hein, d'orienter la caméra. Voilà, si je mets comme ça, peut-être ça sera mieux. Euh, 32 bits float, donc euh, qui a une dynamique tellement dingue qu'on on règle juste, enfin, euh, on s'assure que le signal il est branché et puis euh, roule ma poule. Après il y a un système de double préampli à l'intérieur qui fait que que le signal soit super fort ou super faible, ça enregistre nickel. Ouais, l'année est peut-être pas complètement foutue, mais là euh, très très euh, très problématique par rapport à ça. Quoi. Là, euh, début mai, il devait y avoir le Holy Grail Guitar Show à Berlin, donc qui est un peu ce salon de la lutterie mondiale. Euh, super haut de gamme, hein, parce que c'est que des luthiers indépendants qui, qui sont là-bas. Moi, où je, je suis allé, j'ai fait toutes les éditions. Et là, ils, ils viennent de l'annuler la, officiellement. Ils l'ont fait relativement tardivement parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, en Allemagne, ils sont certes peut-être très organisés, mais à Berlin, ils n'avaient pas encore euh, sorti, je ne sais pas quoi, la loi ou le décret comme quoi le, euh, ces événements étaient, euh, étaient interdits. Et donc, l'événement lui-même ne pouvait pas annuler, parce qu'à ce moment-là, s'il annulait lui-même, il y a tout un tas d'histoires euh, d'assurance. Donc ça, alors bon... Pour moi c'est un déplacement en moins à limite ça c'est des dépenses en moins par contre c'était effectivement aussi des, du contenu en moins à, à générer puisque le holy grail ça a toujours été des occasions euh, super riches euh, de rencontres de gens de luthier qui viennent euh, jamais en Europe quoi jason costal et euh, Jerzy girl au Guitars euh, Michael Grimfield euh, Mario Beauregard, tous ces gens-là, enfin bon, la, la, la grosse armade américaine, Linda Manzer, euh, tout ça, Grit Laskin, euh, Ken Parker, voilà, tout ça, c'est des, des gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Berlin, euh, qui sont jamais venus en France. Quoi. Ah, Mario Beauregard, s'il est venu une fois euh, à, à euh, un salon qui s'est tenu voilà, à la, la Bellevilloise, mais sinon, euh, c'est tout. Quoi. Donc, euh, voilà. Maintenant, moi, je suis pas du tout inquiet en termes de, de contenu, puisque... Euh, euh, voilà, avec les, la magie de l'internet, on peut faire des, des interviews. Alors, il y a les interviews confinement qui, qui vont, qui vont confiner, j'allais dire, qui vont continuer. Euh, même quand on sera parti de passer le, le 11 mai, alors après avoir à, à quel rythme, peut-être une fois par semaine. Euh, en tout cas, même quand on sera complètement déconfiné, c'est sûr que je continuerai la formule euh, interview en direct parce que je trouve que ça marche vraiment bien et c'est un chouette outil de, de communication. Euh, mais sinon, euh, moi je, veux faire, alors je préfère avoir les gens euh, à côté de moi quand je fais une interview. Mais l'autre jour, par exemple, j'ai fait une interview avec John Schofield en FaceTime, j'ai enregistré la vidéo. Euh, pour parler d'un album qui va sortir là qui était repoussé à début juin, je crois, avec son bassiste de, de toujours Steve Swallow. Ça s'appelle Swallow Tales et c'est super bien quoi. C'est euh, guitare basse batterie et c'est du, du Scofield quoi. Hein. Juste la sonde ibanaise plugée dans un deluxe qui doit être poussé assez fort parce que ça grogne un peu de temps en temps du velours donc voilà tout ça pour dire que moi je peux faire des interviews à distance alors, bien sûr c'est pas aussi riche ou aussi intéressant que quand je peux faire venir des, des gens au showroom pour leur parler guitare et les avoir juste à côté de moi et, et qu'il y ait une véritable interaction et qu'on fasse du son guitare mais euh, le, le contenu euh, le contenu est là quoi bonjour chris alors effectivement fred le, le holy grail guitar show c'était supposé être la, la dernière édition euh, là, en fait, aujourd'hui, ils sont en train de s'organiser se... de à fond pour euh, euh, faire une édition genre online le 1er et 2 mai. Donc, euh, c'est essentiellement les luthiers qui vont présenter leur... les choses. Moi, je le. Je sers un peu de, de conseiller technique avec eux. Je leur ai dit, enfin euh, comme j'ai fait depuis le tout début d'ailleurs du Holy Girl Guitar Show, euh, parce que je trouvais que le projet était super cool. Euh, J'aurais dit que moi j'étais prêt à jouer mon rôle en tant que média. Et donc là, faisant beaucoup de live, je leur ai dit, bah écoutez, moi je peux vous faire un petit mode d'emploi sur comment faire du live de, de, depuis son, son téléphone. C'est quand même faisable. Euh, faisable assez facilement maintenant. Donc je, là, cet après-midi, là, je leur ai fait un PDF expliqué, pour leur expliquer comment faire un live facilement depuis un smartphone sur Facebook, Instagram et puis euh, YouTube. Voilà quoi. Euh, et donc, pour répondre à ta question, euh, je, je pense, je suppose que la dernière édition sera reportée à l'an prochain. Mais là, l'urgence, c'est déjà de, de, de faire l'annulation en bonne et due forme de, de cette... Euh, euh, de cet événement et de pas y laisser trop de plumes, ce qu'évidemment c'est euh, comme ça l'a été pour euh, Guiter au méfroid, ça a été une euh, c'est une perte financière euh, sèche, même si toutes les dépenses n'ont pas été engagées, enfin c'est une bonne partie des dépenses, hein, bref c'est beaucoup c'est très compliqué à, à retourner sur à retomber sur ses pattes, donc euh, je pense que ça sera reporté l'année prochaine, en tout cas euh, j'espère bien, mais j'ai pas d'informations officielle euh, à ce niveau-là. Oui, effectivement, Brian May euh, voilà, fait des choses sur Instagram. Ça, c'est bien, euh, que ce que, que soit sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Euh, moi, je trouve ça hyper cool que les musiciens se montrent un petit peu. Euh, la seule réserve que j'aimais, c'est que je trouve que c'est hyper important quand un musicien euh, euh, se présente sur Internet, bah, qu'il ait, qu ait un joli son. Quoi. On peut faire des, des choses extraordinaires avec nos téléphones, mais euh, il faut absolument avoir un peu de, de son. Et il n'y a pas besoin, euh, le téléphone marche très très bien, que ce soit iPhone ou Android pour faire de la diffusion de, de son, euh, d'image pardon. Mais pour le son, voilà, il euh, y a une interface qui ne coûte pas grand chose, Voilà, c'est la iRig euh, Duo de chez IK Multimédia. On doit être à 100 balles, un truc comme ça, et... Euh, vous pouvez connecter ici la sortie stéréo que vous avez par exemple d'une console euh, euh, sur laquelle un micro voit votre système de prise de son de, de guitare ou la sortie de votre Ax FX par exemple ou de Camper est là et de l'autre côté vous branchez ça sur votre téléphone quoi. et là vous avez un son euh, top mon mood quoi. donc ça je recommande absolument quoi. donc voilà et par exemple euh, je... Jacques Stotzem fait des lives tous les mardis soirs dans une pièce différente de son appartement et il a un super son. Il a un KM184 devant sa guitare, donc un Neumann, plus la sortie préamplie de sa guitare qui est branchée sur la console sur laquelle il peut ajouter de la reverb, plus un micro qui tient à la main quand il a besoin de faire un petit commentaire entre les morceaux, et c'est ce mix stéréo résultant qu'il envoie sur son, son téléphone sur Facebook. Voilà, bah Gaël et Michal, Gaël Busuel et michel en, en live. Je suis pas du tout étonné qu'ils aient fait quelque chose de correct parce que moi j'adore ce que fait Gaël. Euh, C'est une super artiste que j'ai eu le temps, j'ai eu l'occasion d'interviewer plusieurs fois. Beaucoup de talent, très belles chansons, des chouettes compositions, une, une présence incroyable sur scène. Euh, moi, l'ai dû la faire trois ou quatre fois d'interview. Je me rappelle la toute première fois, c'était en 2011 ou 12, je crois un truc comme ça, peut-être même avant. Non, ça devait être en 12, 2012. Et c'était à la Bastille, je me rappelle, on s'était retrouvé dans un bar, j'avais fait un audio. Après, elle était venue ici chez moi. Avant que j'ai le showroom, on avait fait une interview guitare la main. Et la dernière fois, elle était venue avec Michal, donc son guitariste, on avait fait une, une interview et une, euh, une, une. une interview guitare la main puis une session. quoi. Donc euh, ouais, tu fais bien de me dire ça, je vais aller voir quand qu'est-ce que ça donne. Voilà, Vincent confirme effectivement euh, de High Lash Effect euh, que vous utilisez ça. Ça ne m'étonne pas puisque c'est <laughs> moi qui en avais parlé à, à Alexandre quoi. et ça fonctionne super bien. Il y a même une alimentation fantôme, même une interface MIDI. Bon, enfin moi je suis guitariste, hein, donc je ne touche pas au MIDI. Quoi. Euh, direct monitoring, et c'est des prises combo, donc vous pouvez mettre euh, voilà, Jack ou XLR, euh, c'est très bien. Et il y a deux, deux gains euh, réglages indépendants. Alors est-ce que c'est compatible USB-C euh, C'est une bonne question Fred. Il faudrait aller vérifier sur le, le site de ICA Multimedia. Voilà. La ICA Multimedia Duo iRig Pro. Michel, oui, je l'ai fait plus de. au moins une, une fois ou deux en interview. Une fois, je me rappelle, c'était le soir où il faisait un concert à la flèche d'or avec euh, Gaël. Et une autre fois, j'étais allé chez lui. D'ailleurs, ouais, on avait fait une interview chez lui. Donc, il y en a eu au moins deux, 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 deux interviews de, de Michel. Alors, euh, Romain, oui, je t'enverrai le PDF avec plaisir. D'ailleurs, euh, alors je l'ai écrit en anglais puisque le, le GB, ben, euh, moi, je ne parle pas allemand. Et de toute façon, on se parle en anglais avec les, les luthiers. Quand j'ai assisté euh, à des conférences call l'autre jour, justement, pour préparer la version online du Hollywood Guitar Show, évidemment, ça se fait en anglais. Donc, je leur ai écrit le PDF en anglais. Mais euh, c'est une excellente idée. Je vais te l'envoyer, euh, Romain. Euh, et euh, je ferai un article avec ça. Mais tu as bien raison. Je vais me noter tout de suite sur mon petit bloc note. Tu as perdu ton Rig. Bah c'est pas bien de perdre son E-Rig, ça. Alors je note article live Smartphone. Et je note de te l'envoyer aussi euh, Romain. Et des, les aériques d'ailleurs d'une manière générale, hein, c'est des produits euh, qui sont pas très chers, euh, qui sont euh, relativement compacts, euh, qui fonctionnent, euh, qui fonctionnent, euh, super bien. Et ça, euh, franchement, là par exemple, si je voulais faire un live avec un super son sur mon téléphone, je prendrais la sortie Apollo Twin stéréo que j'injecte euh, là-dedans, et puis après là je peux brancher aussi sur l'ordinateur d'ailleurs, mais euh, smartphone, euh, iPad, enfin bref, euh, tout ça, tout ça quoi. Et euh, ça, marche, euh, ça marche super bien. Et on peut l'alimenter en externe. Enfin bref, euh, voilà. Alors c'est tout plastique. Hein, voilà. Mais euh, ça marche très très bien. Et dans la série des interfaces, puisque là euh, j'ai tout mon, mon truc de trésor. Alors il y a euh, des grosses machines comme euh, l'Apollo Twin, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont à la fois des interfaces audio, mais aussi des, des plateformes de SP. Mais il y a ça aussi qui est très bien. Voilà, la Maya euh, 22 USB de la marque ESI. Euh, D'un côté, donc, on a une prise combo euh, jack euh, XLR, euh, une alimentation fantôme, une prise casque, et de l'autre côté, on peut sortir en RCA voilà, ou stéréo, et puis ça s'auto-alimente euh, en USB. Voilà. Et ça, ça ne coûte pas bien cher, c'est une voix. J'en ai parlé d'ailleurs plusieurs fois à Backstage, aux gens qui se servent sur une interface. C'est Guillaume Gelin de Blue Cat Audio qui m'avait parlé de cette marque que je ne connaissais pas ça ça vaut euh, 78 balles chez, chez Toto donc je, je recommande et d'ailleurs je pense euh, faire euh, commencer peut-être une série d'articles sur la sur la MAO euh, alors pas la MAO euh, enfin sans sans aller très loin mais voilà euh, faire des trucs très simples comment brancher sa guitare sur son ordinateur euh, avec des choses euh, El Chipo, vraiment low budget à moins de 100 balles, on peut faire des choses très bien. Euh, et puis, si on a un, un micro, un SM57 dans un coin pour faire de la prise de son, il euh, y a le, la version une voix de ça qui existe, qui est encore un peu moins chère. C'est le Aeric Pre, je crois, un truc comme ça, où il y a la même chose que ça, mais en une seule voix. Ça, ça marche super bien. Et après, bon, on peut aller très loin au niveau de la prise de son, puisque j'ai du matos au showroom. Donc, montrer ce qu'on peut faire. Il y a déjà quelques articles. Hein. Faites une recherche sur prise de son sur la chaîne guitare vous verrez des, des articles. 19h50, mais je placote, je placote, mais euh, je n'arrête pas. Est-ce que vous avez des questions avant que nous clôturions le. Non, qu'est-ce que je pouvais montrer Tiens, on va passer en mode webcam là. Avant ah que nous clôturions ce live, une ESI UMG 96, super mini interface. Et eh ben voilà. Ah ouais, 240 euros là, Eric Duhaut. Voilà, donc c'est ça, pour les deux voix. Donc ça fait 100 balles la voix, euh, grosso modo. Quoi. Et elle a le, le mérite qu'elle est, euh, qu est très compacte. Hein, compact. Et elle vient avec euh, donc le, la prise. Alors je ne sais pas ce que c'est, hein, ce format de prise ici, hein, qui est un petit peu bizarre là. Mais ça vient avec tous les câbles pour connecter USB-C, pour connecter sur l'arrière des smartphones. Ça vient avec 3-4 téléphones, 3-4 types de connecteurs. Alors pour la vidéo, là par exemple, là je viens de passer sur la webcam de mon MacBook Air. Euh, voilà, là c'est la zoom Q2N4K qui marche très bien en, en webcam. Moi je m'en sers très souvent pour les interviews, pour avoir un deuxième angle, justement, parce qu'elle a ce grand angle-là. Il y a une partie audio qui est dedans, mais là je m'en sers pas. Là je, je, je vous cause dans le poste via l'Apollo Twin qui est ici. Et sinon, quand je suis, quand je suis au showroom, à ce moment-là, là, là c'est mes appareils photo réguliers que, que j'utilise, donc de Lumix. Euh, enfin, J'en ai trois maintenant, mais en fait j'en utilise parfois deux euh, sur le live. Donc un GH4 et un GH2. Et en ce moment j'ai même un GH5 là, que, que Philippe Camus euh, m'a prêté euh, quand je pensais être en rade là, pour faire l'interview de Marcus King. On ne peut pas charger le téléphone en même temps. Absolument, c'est un problème. Donc euh, si on connecte l'aéric du haut... Euh, ici, euh, voilà, bah, évidemment, le, le, le téléphone, il est, la connexion du téléphone, elle est, elle est bouffée. Quoi. Je ne sais pas, il y a peut-être des, 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 des multiplicateurs de port Thunderbolt ou. Non, c'est Lightning, ce n'est pas Thunderbolt, qui existent, mais euh, c'est d'ailleurs une des recommandations que j'ai mis dans mon PDF, là, dont, dont je vous parlais tout à l'heure, pour faire du live sur smartphone, c'est. Euh, quand vous démarrez un live, assurez-vous que votre batterie est à 100% parce que l'encodage le, le, de la vidéo, le streaming, tout ça, ça bouffe assez vite la, la, la batterie de votre de votre de votre smartphone. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, il est bientôt 20h. J'espère que ça vous a plu. Ah oui, j'ai vu, Chris m'a dit, il a vu quelques vidéos, il a vu ça avec nous, géo fanatique. Eh ben écoute, euh, j'espère que cette interview, que Nono, euh, t'a bien plu. Euh, j'espère bien pouvoir le faire un jour en interview à, euh, au showroom, euh, Nono, parce que je trouve c'est un musicien euh, voilà généreux, truculent, voilà, qui c'est un peu une grande gueule, etc. Mais c'est toujours assez marrant les, les interviews qu'on fait ensemble. Euh, mais par contre, j'ai jamais eu l'occasion de le faire en interview euh, guitare à la main. Ouais, alors c'est possible, c'est pas très compliqué hein, de faire le, le, le live, enfin euh, d'utiliser un appareil photo. Euh, voilà, euh, une Q2N, Zoom Q2N par exemple, ça coûte pas très cher, ça coûte 200-300 euros, c'est bien. Si ça se trouve, vous avez peut-être déjà euh, des appareils photos qui permettent de, de faire des, des choses euh, intéressantes, enfin, hein, euh, et qui ont une sortie HDMI. Euh, alors, moi, je l'ai pas ici parce que c'est au showroom, mais. Euh, J'ai acheté un petit boîtier de chez Blackmagic qui s'appelle le euh, Blackmagic, c'est la marque, mini, mini Recorder, où on rentre d'un côté le, la sortie HDMI de, de l'appareil photo, donc de la caméra, et de l'autre côté, on est en, euh, moi l'occurrence, en Thunderbolt, puisque je suis sur Mac. Et donc, euh, voilà, c'est en fait une petite carte euh, d'acquisition. Maintenant, il y a parfois des ordinateurs qui acceptent... Euh, qui ont des entrées HDMI, je ne dis pas des sorties, hein, parce que des sorties HDMI, c'est pour montrer les écrans, là, c'est le sens inverse que vous voulez avoir. Quoi. Donc, euh, ce qui est compliqué avec ces histoires, c'est souvent des histoires de, de câblage, de, de sens, etc. Et puis après, il euh, faut euh, se palucher des configs à l'intérieur de, de OBS. Là, par exemple, c'est OBS que j'utilise pour faire euh, incruster le, le logo que vous voyez ici, etc. Quand je passe d'une webcam à l'autre, ou quand je vous montre, euh, voilà, des... Des images de mon écran ou d'un navigateur. Voilà, voilà. Et eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé ça. C'était bien cool. Euh, je vous donne rendez-vous toute la semaine à 18h. Il va y avoir plein de live. Donc, vous allez voir sur la chaîne guitare.com/confinement. Il y a toutes les informations. Et si ça vous tente d'essayer. Euh, euh, rendez-vous sur la chaîne guitare.com, vous pouvez vous abonner et gagner, euh, non, il y a, enfin si vous pouvez gagner des choses par la suite mais il y a un mois gratuit d'offert pour tester et voir si, ça vous, voir si ça vous convient voilà et puis Vincent si tu as des questions par rapport à l'acquisition vidéo, la configuration je serais ravi d'y répondre euh, évidemment sans problème quoi. voilà, merci beaucoup euh, je vous souhaite une bonne soirée à très bientôt euh, pour de nouvelles aventures Restez à la maison, jouez de la guitare, écoutez de la musique, soutenez les musiciens, euh, euh, voilà que vous aimez, comme je dis toujours. Et puis on se reparle très bientôt. Ciao, bye bye.